Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour un prévisionnel sur le mois de mai et juin. Je vais peut-être faire que mai, je vais voir ce que ça donne au niveau du prévisionnel. Je tire avec l'oracle de G, l'oracle de la triade, l'oracle intuitif de Esteban Frédéric et le dernier, l'oracle des guides spirituels. J'ai plein de jeux et en fonction de mon envie de l'instant, je tire avec. Je vais vraiment y aller au niveau du feeling des cartes. Je vais m'écouter sur le nombre de cartes que je tire. Je ne vais pas faire comme je fais d'habitude sur le prévisionnel très très long où il y a plusieurs lignes parce que déjà là, je n'aurai pas la place. Et que j'ai pas envie, je ne le sens pas comme ça aujourd'hui. Donc déjà avec l'oracle G, ça nous dit qu'il y a encore moyen de se positionner, il y a encore moyen de pouvoir jouer quelques cartes, quelques actions qui vont nous permettre de réajuster nos choix et nos décisions. J'ai cette information dans les cartes que ça va piquer, qu'il va y avoir de l'action à mettre en place, qu'on va être piqué soit sûrement par l'extérieur dans ce que je ressens. C'est sûrement au niveau des gouvernements. Je ne sais pas pour vous, mais dans votre vie, vous me direz en commentaire comment ça se passe, comment vous le sentez. Mais dans les personnes que je consulte à aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont des peurs qui remontent face à la justice. Et mon amie Barbara Godard me disait que dans le 8, l'année 8, c'était le collectif face à la justice. Donc ça fait très très sens par rapport à ce niveau-là. Ça nous dit qu'il y a un vrai besoin de se positionner, de s'écouter, écouter ce qui est juste. Qu'en fait, on ne va plus pouvoir, ça fait en même temps à peu près 3 ans que je vous le dis, on ne va plus pouvoir se dire « ouais, je vois la vérité, mais pour autant... » j'écoute pas là où je dois aller, j'ai l'impression que il y a un chemin qui est tracé pour moi, mais je vais pas l'écouter parce que ben, c'est trop compliqué, ça me fait peur, ça met en lumière certaines de mes croyances limitantes, ça va m'obliger à faire face à ma famille, ça va m'obliger à devoir dire non et me positionner dans certaines relations que j'ai potentiellement depuis à peu près toute ma vie. Tout ça, c'est des choses qui font que à aujourd'hui, les gens ne se positionnent pas. Et là, ce que ça dit dans les cartes, ça dit qu'on va être vraiment, vraiment, vraiment amené à, au fond de nous, à ressentir ce truc de bah, si tu te positionnes pas, tu vas être malade. Malade intérieurement et je pense malade physiquement. Je l'avais déjà dit peut-être dans la vidéo prévisionnelle, j'essaierai de vous l'attacher vers là. La vidéo prévisionnelle de 2024, peut-être que je l'avais dit à ce moment-là, je ne me rappelle plus, je vous dis sûrement des bêtises. J'avais amené le fait que je voyais beaucoup de personnes décédées et j'ai toujours cette impression-là, j'ai l'impression que soit ça va être par la maladie pour ceux qui... n'ont pas été alignés dans leur choix, mais aussi par rapport à tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, je pense que les corps physiques ont été mis à mal et que dans les mois à venir, soit par le stress, soit par le désalignement, soit par spike, ce que vous voulez, etc., il va y avoir beaucoup de départs physiques. J'ai l'impression, quand je check, en clair ressenti, clair audience, clair ce que vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de départs que ce qu'on nous le dit. Bon, après, voilà, moi, je pars du principe qu'il y a des choses qu'on nous cache et que on nous dit pas tout. Et que parce qu'on nous dit pas tout, il y a des choses qui sont pas mises en lumière parce que ça risquerait de faire en sorte que l'être humain se réveille et que donc, c'est pas ce qui est voulu à aujourd'hui. Voilà, j'ai tiré comme j'en avais envie. Donc ça nous dit vraiment que il y a besoin de on a cette carte de l'arc-en-ciel qui vient nous dire que en gros pour faire éclore les fleurs il y a besoin de pluie et dans les 3 jeux de cartes les 4 il y a la difficulté le fait que tout ne soit pas écrit mais que on va passer par des moments qui vont pas être super agréables. Vous savez pour les mamans qui me regardent et qui ont accouché avant de voir votre bébé de vous dire ah là là je l'aime trop il est trop mignon et puis déjà votre grossesse c'était pas forcément super une partie de plaisir. Mais alors l'accouchement, je connais pas une nana qui m'a dit « Ah ouais, moi j'ai adoré avoir mal pendant que j'ai accouché. » Ben je vois un peu ça comme ça. J'ai l'impression que le mois de mai et juin, c'est un accouchement. Qu'en fait, il y a besoin de... Là, on était dans la grossesse jusqu'à aujourd'hui, à peu près jusqu'au mois d'avril.
Faut pas oublier qu'on a eu le 25 mars la pleine lune de vérité en balance, la balance qui est la justice, que le 8 avril on a eu l'éclipse du soleil qui vient nous amener à enlever les masques et à s'autoriser à être pleinement vu, pleinement soi. Qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent du retour de Jésus à ce moment-là, de l'énergie christique qui se serait réincarnée à ce moment-là dans Jésus. Et les cartes nous disent la même chose, on a la pénitence avec l'oracle de la triade qui vient nous dire que voilà, on en chie. C'est une période qui ne va pas être super marrante, où on va vraiment devoir faire pénitence, accepter qu'il nous pleuve dessus pour pouvoir faire éclore les fleurs qui doivent éclore par la suite. On a la carte de l'alignement dans l'oracle l'oracle des guides spirituels qui nous dit que en fait être aligné c'est alignement cœur parole acte et que être aligné dans ce que l'on dit uniquement et pas dans le cœur et dans les actes ce n'est pas être aligné, qu'il y a besoin de mettre les actions en place nécessaires qui sont en adéquation avec notre vibration. Je le vois vraiment comme tel, comme, vous savez, je vous ai toujours dit, il y a plein de gens qui attendent le retour de Jésus. Pour autant, je vous l'ai dit des dizaines de fois, est-ce que vous pensez réellement, tant que vous ne vous alignez pas à avoir, je vais rester poli, je vais dire le courage, de pouvoir vous tenir droit dans vos bottes et de vibrer, ouais, demain, si on vient toquer à ma porte en me disant, soit tu te soumets, soit on va te faire du mal, tant que vous ne vibrerez pas, moi, plus jamais, je me soumettrai, pas par rébellion, mais par volonté d'être souverain et d'être libre, tout simplement, moi, je serai Jésus, je ne reviens pas. Parce qu'en fait, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Si je m'étais fait crucifier il y a 2000 ans, je ne prendrais pas le risque que ça réarrive aujourd'hui. J'attendrai un peu que l'humanité soit un peu plus enclin à se positionner et à me suivre. Parce que, Jésus, il y a 2000 ans, il s'est dévoué pour l'humanité. Je ne suis pas sûre que ce soit son plan aujourd'hui. Je pense que son plan, c'est d'ouvrir les portes du paradis comme son père le lui a demandé, mais que ce n'est pas pour autant d'ouvrir les portes et de se faire crucifier par la suite. Cette fois, il ouvrira les portes et il ira au paradis avec tout le monde. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de se positionner et d'arrêter de dire « oui, je vais le faire à un moment donné », mais de le faire. On a la carte de l'éternité avec l'oracle de la triade qui nous dit que le positionnement qu'on va mettre en place là, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre de défricher le chemin qui doit être ouvert pour les mois à venir. On a la carte du karma et la porte qui vient nous dire en fonction des peurs auxquelles vous allez accepter de faire face chacun dans votre vie, c'est pas forcément dans le collectif, bien que je vous disais que dans le collectif, on est amené là, au mois de mai et juin, à faire face à la justice. Justice sous toutes ses formes, justice physique, en allant au tribunal par exemple, mais aussi la justice par rapport aux impôts, par rapport à la justice dans nos relations, la justice et la justesse. Et là, ça nous dit qu'on franchit une porte, que le fait de s'écouter. Et certes, on a la carte de l'instabilité qui vient nous dire que on va se sentir instable dans notre quotidien parce qu'on va avoir cette impression de se dire « Ah ouais, j'ai besoin de sauter dans le vide, j'ai besoin d'accepter d'y aller en fait, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. » J'ai lu une phrase hier, je crois, sur les réseaux qui disait « Être entrepreneur, c'est sauter dans le vide et construire un avion avant de tomber réellement au sol. » Et je trouvais que, c'était décrit pour les entrepreneurs, mais en fait, pour moi, la foi, c'est ça. C'est sauter dans le vide et savoir que Dieu, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, va vous aider à vous donner les pièces d'un avion que vous allez devoir construire pendant que vous êtes en train de tomber dans le vide. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif de se dire, je sais pas où je vais, mais j'y vais et j'ai le courage de verbaliser autour de moi l'endroit où je veux aller, même si tout mon entourage me dit c'est pas cohérent, c'est pas tu peux pas dire que tu vas là alors que t'as pas les diplômes, alors que t'as pas ci, t'as pas ça. Bon, bref, vous connaissez sûrement dans votre vie les peurs que les autres ont sûrement déjà projetées sur vous. Là, c'est ce que ça dit dans les cartes, ça dit allez-y, sautez dans le vide, vous savez très bien ce qui est juste pour vous, vous savez très bien où vous devez aller, c'est le moment d'y aller parce qu'en fait, franchir cette porte va traiter du karmique passé et va vous ouvrir les portes d'un monde nouveau. On a la carte de l'alpha et de l'amour de soi et la protection de Dieu, de la vie. Pour moi, c'est clairement le retour de Jésus sur le devant de la scène.
Alors, on m'a beaucoup posé la question, je ne parle plus français. On m'a beaucoup posé la question de qui est Jésus, comment il va revenir sur le devant de la scène, comment on va le reconnaître. Je suis désolée, mais c'est des questions auxquelles je n'ai pas le droit de répondre. Parce que, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, Jésus est Jésus-Christ, du moment où l'énergie christique est revenue dans son corps, va être le glas de l'énergie antichristique. Et donc, dans toutes les religions s'accordent à dire que Jésus est celui qui mettra un terme à l'antéchrist, et que donc forcément, il y a plein de gens qui cherchent Jésus. Je ne peux bien sûr donner aucun renseignement qui permettrait de le trouver, étant donné que ça serait hyper risqué pour le futur et les choses qui doivent être mises en place. Donc, je ne dirai rien. Mais pour moi, ces trois cartes de l'amour de soi, des dieux et de l'alpha, c'est le retour. Peut-être pas forcément, je suis pas sûre qu'il aille sur BFM à dire « Chers compatriotes, Jésus, enchanté, bienvenue, veuillez me suivre ». Comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Néanmoins, je pense qu'il va être de plus en plus reconnu à l'extérieur, sans pour autant qu'il se présente comme tel, et que les gens vont commencer à savoir qui suivent, pourquoi et comment. Ensuite, on a la carte de l'indépendance et de l'isolement et du jardin intérieur. Et le jardin intérieur, il vient nous dire que c'est hyper important de faire fleurir son jardin intérieur pour avoir envie de s'y balader. Et l'isolement, c'est je m'octroie la possibilité de mettre un terme à ce qui ne vibre pas juste avec moi afin de pouvoir recréer, comme j'aime bien le dire dans mes stages, en fait, on ne peut pas remplir une coupe déjà pleine. Si votre coupe, admettons, votre vie, c'est une coupe. Si votre coupe, elle est pleine de tel ami, telle relation, tel conjoint, tel travail, que des trucs que vous n'aimez pas, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Il faut d'abord la vider pour ensuite pouvoir la re-remplir avec des choses qui sont en adéquation avec nous. Et là, c'est ce que la carte dit. Ça dit qu'il y a besoin de vraiment faire valoir que telle ou telle situation, telle ou telle relation n'était pas bonne pour nous jusqu'à présent et que, en fait, on la sort par amour de soi et s'autoriser à s'isoler, pas dans le fait d'être seul, mais dans le fait de re-rentrer à l'intérieur de nous pour se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi? Comment, comme Gandhi l'a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Comment je peux être, vibrer? Je vous parle souvent de la vibration dans mes vidéos. Comment je peux vibrer ce que j'ai envie d'être dans le futur? Si je continue à vibrer, par exemple, peur. Alors qu'en fait, dans le monde de demain, je veux voir foi, bienveillance, amour et confiance. Ben en fait, je ne peux pas vibrer peur au quotidien et vibrer peur dans mes actions. Donc, toujours à dire « Ah non, je peux pas faire ça parce que tu te rends compte et si ça se passait mal, etc. » Vous vibrez peur. Quand on vibre peur, on ne peut pas vouloir vibrer ça et se dire « Ouais, je veux un monde de demain qui soit bienveillant, c'est paillettes licorne. » Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vibrer les antipodes de ce que vous voulez voir dans le monde. Donc, merci Gandhi qui l'a hyper bien dit. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ce changement commence dans la vibration que vous avez à l'intérieur. Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce qui va impulser mes actions dans le quotidien? Ensuite, c'est assez marrant parce qu'on a le pardon, on a la science et l'échec et on a la thune. Et moi, ici, je le vois avec Claire, ce que vous voulez en plus qui vient. En fait, les cartes, pour moi, c'est qu'un support à ma clairaudience et Claire, savoir ce que vous voulez. Claire, ce que vous voulez, je le mets dans le même sac, d'accord? La carte de la science, pour moi, elle vient sur le... c'est la carte de la science dans l'oracle de la triade. Je ne sais pas si vous le verrez d'ici. Cette carte, c'est vraiment le fait de se baser sur des faits concrets de la science, de la logique, etc. Et bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine logique comme... J'ai une info depuis un bon moment, c'est que... Attendez, comment je peux dire ça sans que ça fasse méga perché? Je pense que le retour de Jésus va ramener un roi en place. Je vous ai déjà dit que je pensais qu'il allait avoir le retour d'une monarchie. Pas une monarchie comme on l'a tous en tête, genre le roi qui flagelle tout le monde. Je vois pas du tout ça comme ça. J'ai vécu en Thaïlande. En Thaïlande, le roi, le père, celui qui est mort en 2016, était tellement aimé que quand il est mort, tout le monde pleurait dans la rue. Tout le monde. Moi, je vois un roi comme ça. Il n'y a que deux façons d'être respecté dans la vie, par la peur ou par l'amour. Je pense que le roi qui va reprendre sa place, pas avant 4 ans,
Je pense que c'est un roi qui sera profondément aimé par le peuple et que c'est le peuple qui l'aura mis là où il doit être. Et j'ai l'impression, avec cette carte de la science, et pourtant là je vous tire sur le mois de mai et juin, donc ma tête me dit, ah je vois pas comment ça peut être aussi rapide, mais je vous dis ce que je vois dans les cartes. J'ai l'impression qu'il va y avoir un début de « toi t'es pas légitime, ça dégage, toi t'es légitime, t'es mis en place ». Et que la science, le côté pragmatique, va servir à mettre ces gens-là en place. Je ne parle pas forcément du roi de suite, comme je vous l'ai dit, je pense que ça c'est un petit peu plus tard. Mais d'autres personnes qui vont être mises en place et qui vont être légitimées dans leurs actions. Je veux dire, jusqu'à présent, tous les gens qui étaient un peu trop bienveillants, ils ne pouvaient pas rester en politique parce que, ben, ils se faisaient écraser. Et j'ai l'impression que ça va changer. Comme si en fait les personnes qui n'étaient pas bienveillantes ou qui avaient un dossier long comme le bras de agression envers les femmes, etc., et qui continuaient à être au gouvernement avec des dossiers longs comme ça, toutes ces personnes-là, on va leur dire non, mais en fait, t'es pas légitime, ça dérape. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un travail de pardon du peuple à faire et de ne pas réagir avec colère, mais réagir avec jugeote, justesse et bienveillance. Juste, on sort ce qui n'est pas juste, on met à la place ce qui est juste, et que la science, moi je le vois plus au niveau des avocats et de la justice, va mettre en place ce qui est juste. Et là, ma tête, moi qui ai eu affaire à une justice que je ne trouvais pas juste, la justice des hommes, et qui est plus foi en la justice de Dieu qu'en la justice des hommes, il y a une part de moi qui me dit « vraiment ?» Ben, c'est ce que je sens ici. Et petite parenthèse pour revenir au roi qui, je pense, sera. J'ai l'impression, on dit que ça sera un descendant de Jésus parce qu'il est de la lignée des Mérovingiens. C'est probable. Voilà. Donc, pour terminer, ça, je le vois, donc la thune, comme je vous disais. Je ne vois pas comme forcément l'argent physique, bien que je pense que l'argent physique va être un déclencheur de ce rétablissement de justesse et justice sur le long terme. Mais là, je le vois comme étant, il va y avoir besoin pour retrouver cette richesse intérieure d'accepter de pardonner et de ne pas réagir avec colère. Et c'est ça, c'est de faire le tri entre j'aime pas, c'est juste, c'est pas juste. C'est ça qui va nous permettre de récolter les fruits que l'on aura plantés auparavant. Fruits que l'on plante depuis quelques années de toute manière. Donc pour moi, c'est un mois et demi, parce que je vous ai fait mai-juin. Pour moi, c'est un mois et demi où vraiment, je vous rappelle qu'il y a la pénitence, l'arc-en-ciel, la difficulté, le choix, l'épée. Voilà, on a un petit début qui est « on va en chier ». Mais on va en chier si on n'est pas déjà aligné. Parce que si en fait on a fait un travail d'alignement depuis 3, 4, 5, 10, 15 ans, a priori, vu qu'on a déjà mangé nos dents auparavant, il y a peu de chances qu'on ait besoin de les remanger maintenant. Par contre, pour les personnes qui se voilaient la face jusqu'à présent en se disant « non, moi je suis ce qu'on me dit de faire parce que j'ai peur de la justice des gouvernements, etc. Et donc je ne suis pas ce qui est juste en moi, mais je suis l'extérieur parce que je ne suis pas en capacité de me positionner et que j'ai peur », probablement que ces personnes-là vont ressentir dans leur trip qu'elles ne sont pas dans le juste et que potentiellement, ça ne va pas du tout être agréable de devoir faire ce switch-là à ce moment-là. Mais ce qui s'ensuit est extrêmement positif. Et vraiment, j'ai très foi pour le futur et pour ce qui va s'en suivre. Ça parle d'hommes et de relations hommes-femmes et je le vois vraiment comme étant... le besoin d'équilibre et de... Vous savez, entre... Alors, ça fait partie pourtant des cases que je trouve... j'aime pas employer ces mots parce que je trouve que ça fait très, très vite percher. Le masculin sacré et le féminin sacré. Dans les cartes, ça dit que c'est important d'accepter que chacun a son rôle et que chacun a sa place. Que dans le monde futur que l'on veut, on ne peut pas vouloir un équilibre si on est tout le temps encore dans une volonté de domination de l'autre humain, de l'autre sexe, de l'autre, du parent envers l'enfant, de peu importe les cases, s'il y a volonté de domination sur l'autre, on ne peut pas ouvrir cette voie à ce monde futur qu'on espère tous. Donc il y a vraiment un besoin de se guérir tout un chacun, de s'observer, comme je vous le répète depuis des années maintenant,
d'observer pourquoi je réagis comme je réagis. D'ailleurs, je vous encourage à, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, allez vous abonner, vous abonner, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Allez vous abonner, parce que je vous fais des posts pour vous défaire, départir de la peur du regard de l'autre, d'être souverain, etc. Vraiment, j'aligne tous mes posts et toutes mes vidéos sur l'alignement à l'être. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir manifester le monde de demain qu'on a envie de voir. Donc ça parle vraiment de devoir se connaître soi, s'observer soi pour pouvoir guérir ce qui pique encore sous le jus du citron, comme je vous en ai déjà parlé. Le citron pique une plaie ouverte mais pas une plaie fermée. Donc s'il y a des choses extérieures qui vous citronnent à l'intérieur, c'est que automatiquement vous avez encore des blessures qui sont ouvertes et donc il faut aller les fermer. Tant que vous ne les aurez pas fermées, vous serez en échec avec l'extérieur et donc pas en capacité de pouvoir fitter, je ne trouve pas les mots en français, coller avec le monde de demain. Donc si vous voulez être et faire partie du monde de demain, vous devez vous guérir vous en priorité parce que vous êtes le monde de demain et qu'on ne peut pas vouloir manifester un monde de demain bienveillant et juste et amour si on n'est pas soi-même amour, juste et bienveillant à l'intérieur. Voilà pour ce tirage, mais tirer une petite dernière carte quand même de ce jeu-là que j'ai bien envie de mettre. Hop, celle-ci, stylée. On finira sur ça, c'est la carte du bonheur. Et c'est donc ce qui nous attend après. Alors, je ne vous dis pas que ça nous attend au mois de juin, hein, d'accord ? Je vous ai jamais vendu du rêve, d'accord ? Pour moi, on sera vraiment... on pourra souffler et déguster les fruits qu'on a de l'arbre qu'on a planté il y a un petit bout de temps. Je pense qu'on pourra déguster les fruits fin 2025, pas avant. Je vous dis pas que c'est pas possible de les déguster un peu avant, hein. Je veux dire, on a tous le choix de se poser et de se dire, moi là je suis hyper contente de tourner une vidéo avec vous, il peut se passer ce que vous voulez dehors, en fait je m'en fous, je suis en train de vivre un instant de joie à tourner une vidéo avec vous. Donc on a tous le choix d'être gratitude pour ce que l'on vit au quotidien. Je suis pas en train de vous dire qu'il y aura pas de gratitude, pas de joie, pas de bonheur avant fin 2025, c'est pas du tout le cas. Je vous dis juste que ça va devenir plus tranquille, il y aura moins besoin de travailler sur soi, de s'observer. Je pense qu'on aura vraiment passé le gros morceau à la mi-2025 et que ça sera beaucoup plus light au niveau des énergies à ce moment-là et que majorité de justesse aura été rétablie et que par conséquent, ça sera... plus facile à vivre dans le quotidien. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des informations, si vous avez clairaudience, clairvoyance, est-ce que vous avez des infos, des choses qui vous sont venues sur le mois de mai, juin ou après, si vous avez envie de le partager. Et je vais essayer de me tenir à une vidéo prévisionnelle par mois. J'essaierai de vous la poster à chaque début de mois pour que vous puissiez voir ce que j'ai au niveau des cartes, tout en gardant bien à l'esprit, bien sûr, que ce prévisionnel se base sur aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, on est le 7 mai 2024. Et que forcément, si demain, tous les humains décident de s'unir, de se lever pour la justice, les choses ne sont pas forcément ce que j'ai tiré à aujourd'hui, parce que les cartes ne répondent qu'à une énergie donnée, à un moment donné. Donc rien n'est écrit de manière définitive. Sauf quelques petits trucs, mais il n'y a pas lieu d'en parler ici. À bientôt.